Alors, je m'appelle Mounia Amour, je suis artiste peintre autodidacte. Je suis une grande amoureuse de l'art en général, que ce soit le chant, la musique, la peinture. Et je suis mariée et mère de 4 beaux enfants. Voilà. J'aime l'art, j'aime la musique. Et j'ai intitulé cette exposition Ambre. En hommage à ma petite fille Ambre, qui est née le 2 avril, justement, date à laquelle je devais exposer initialement il y a 2 ans. Voilà, et voilà, comme vous avez constaté, il y a beaucoup de couleurs. J'aime que ce soit gai, que ce soit en couleur. Ça me rapporte de la joie. Ben, bonjour à tous, je m'appelle Ali Chirhlou, je suis le fils de l'artiste Mounia Amour. Et je suis là pour vous parler des œuvres de ma maman qui m'ont accompagné pendant toute ma vie et qui m'ont un peu bercé dans mon éducation et dans mon envie en tout cas d'évoluer à travers la musique, à travers l'art et de goûter en tout cas à ce monde-là qui est si particulier. L'Oualidé Diali, quand Dima Mikensrer Katrasam, ou Kanchofa Katrasam, Katchril Adawa Diala, où elle a toujours aimé les couleurs, c'est-à-dire que quand on voit ses œuvres, on voit des œuvres colorées, on voit des œuvres pleines de vie surtout, et ce qu'on voit plus essentiellement, c'est des œuvres qui sont musicales. Et la musique, pour moi, c'est quelque chose de très important, comme le travail, comme la famille, comme tout, et c'est de l'art. Donc voilà, on est heureux, alhamdoulilah, et franchement, c'est une réussite parce qu'elle a vraiment travaillé dur pour cette exposition. Et de mélanger des œuvres artistiques avec de la musique, je trouve ça très harmonieux et parfaitement réussi. Ce tableau, c'est possible que nous voyons beaucoup de mères, mais nous voyons une fois et nous voyons que c'est une ville de Fchaoun. Le Walida, quand Dima a vu Fchaoun, quand elle a vu Dima la ville bleue, ou grâce à cette ville, elle a pu en tout cas s'inspirer et en tout cas retravailler à de la ville à sa manière. Quand on remarque, on voit les petites ruelles Henaya, on voit les petites maisons autour, mais c'est bleu, c'est blanc, et c'est un peu le style de Mounia Amour. Donc, tabarakallah.